Entraînement dans 10 minutes. Vous êtes mariés?
Oui, j'ai rencontré une Italienne qui a de l'argent. Mais bon, elle ne développait pas beaucoup. Pourquoi vous ne divorcez pas? J'avais envie, mais je suis devenu trop paresseux. Vous avez remarqué? Dans envie, il y a vie. J'avais envie. J'étais envie. Et vous? Moi, rien de spécial. Vous n'avez pas parlé de vous. Vous êtes mystérieuse, hein? Je n'aime pas parler de moi, je vous dis. Très bien, alors silence. On ne peut pas aller aux funérailles de maman. On doit obéir. Il y a des batailles qu'on ne peut pas gagner. Les puissants contrôlent la vie des faibles. C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est injuste et intolérable, mais tant pis. On doit se taire et accepter. Mais c'est vraiment des foutues conneries, tout ça. On va leur faire entendre qu'on arrive. Pas s'ils aiment une femme, s'ils ont des enfants, s'ils aiment plus aller au cinéma qu'au théâtre. On ne sait rien. On dit juste 115 tués. Eh oui, c'est la vie. Mais ce qui me rend triste, c'est que la vie et les romans, c'est différent. Moi, j'aimerais que ça soit pareil, clair, organisé, mais ça ne l'est pas. Bien plus que les gens le croient. Non, pire. Au fait, il y a un message de Cindy sur le répondeur. Elle parle de je ne sais pas quoi, Sunshine, Sunshine. Quoi? Little Miss Sunshine? Ouais. Quoi? Votre mère m'appelait Ferdinand. Oui, mais on ne peut pas dire mon ami Ferdinand. Si on peut, il suffit de vouloir, Marie. Je veux. Je ferai tout ce que tu voudras. Moi aussi, Marie. Je mets ma main sur ton genou. Moi aussi, Marie. Je t'embrasse. Partout. Moi aussi, Marie. J'ai gagné! Fini de manger! J'ai fini, j'ai gagné! Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, je rappelle. Oui, c'est dit, c'est Cheryl. On vient d'avoir ton message. Ah oui, ça, elle est folle de joie. J'ai gagné! Non, je ne l'ai pas eu, non. Le répondeur a dû couper, attends. À Rododon Beach, ce dimanche, vous allez pouvoir l'accompagner? Oui. Vous ne pouvez pas y aller juste pour cette fois? Si, il le faut. Mais comment on s'organise alors? Nous, on ne peut pas. Oui, non, d'accord, très bien, je comprends, je vais trouver une solution. Au revoir. Ce dimanche? Ils ne peuvent pas l'emmener. Ils ont un concours hippique à Santa Barbara. Attends, ils ont un concours merdique presque tous les week-ends. C'est un truc national, ils amènent les deux chevaux, c'est important apparemment. Qu'est-ce qu'on dit, Henri? Little Miss Sunshine, j'ai gagné. T'emmène avec moi. Tu m'avais promis qu'on n'irait pas. On ira en avion et on reviendra lundi. Qu'est-ce qu'on fait une fois là-bas? On louera une voiture. On va se payer un hôtel ici. Oui, on a les moyens, Richard. Chérie, cet argent, c'est tout notre capital. Oui, mais si j'étais pas la seule à ramener tout l'argent à la maison, peut-être qu'on n'en serait pas là. Tout l'argent part dans ton programme anti-échec. Ne commence pas, chérie. Je t'ai dit que je devais discuter avec Stan Grossman. On doit discuter sec avant de discuter sur le contrat. Et à mon avis, ça devrait commencer à bouger très vite. Mais en attendant, il faut vraiment... Très bien, on prendra la voiture. Ah non, pas moi, les enfants. Comment tu veux mettre grand-père dans la pasta? Il n'est pas obligé de venir. Quoi? Je lui ai montré le mouvement, je l'ai entraîné, je dois y aller! Tu n'as qu'à prendre la Volkswagen. Je ne peux pas la conduire, elle n'a pas la direction assistée, j'ai essayé! On prendra l'avion. On n'a pas les moyens! Oui, mais c'est pourtant ce qu'on va faire, à moins que t'aies une meilleure idée! Tenez, voilà le décès! J'ai gagné! Les amis, d'accord, je conduirai le minibus. Oh non! Richard, le psychiatre a insisté pour que je ne laisse pas Franck tout seul. Tu m'en veux pas, Franck? Pas du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Dwayne sera là et se surveilleront mutuellement, c'est parfait! Oh non, alors là c'est trop m'en demander. Imagine qu'il leur arrive quelque chose! Bon, d'accord, il est clair, il est évident qu'on ne peut pas y aller à moins que Dwayne et Franck viennent avec nous. Maman, j'ai pas mon maillot de bain! Ouais. Franck? Je pars! Je suis d'accord. Oh, je pars! Dwayne? Oh
Allez, viens, ce sera fun, tu pourras aller à la plage. C'est injuste, la seule chose que je veux, c'est que vous me foutiez la paix. Voyons. L'école d'aviation, si tu viens, je te donne l'autorisation pour l'école d'aviation. Mais je ne vais pas m'amuser. T'inquiète pas, Dwayne, t'es pas le seul. Papi, est-ce que papi vient avec nous? On vient tous, ma chérie. Ouais! Attends, Olive. On va ici, laisse-toi une seconde. Écoute. Tu sais qu'il n'y a aucun intérêt à passer un concours si on ne pense pas qu'on peut le gagner. Alors, est-ce que tu es sûr que tu peux être élu Little Miss Sunshine? Richard! Attends. Est-ce que tu penses vraiment gagner? Oui. On part pour la Californie! Ah! Thank you.
Si une fille venait me voir en me suppliant de la baiser, je crois bien que je ne pourrais même pas. Papa, t'imagines, je sais pas. Tu peux surveiller ton langage, s'il te plaît. Elle écoute de la musique. Olive, je te file $1 million si tu te retournes. Tu vois? D'accord, mais on est là. Ah ouais. Si je peux te donner un petit conseil, eh ben je vais te le donner quand même. Je veux pas que tu commettes les mêmes erreurs que moi quand j'avais ton âge. J'ai hâte d'entendre la suite. Oui, c'est comme ça que tu t'appelles. Ouais. C'est la voix de l'expérience qui parle. Baisse un maximum de gonzesses. Hé hey, t'arrêtes pas sur le papa, il faut s'en faire plein. Ça suffit, j'ai... Okay. T'en as une. Papa. Allez, tu peux le dire, t'en as une. Tu arrêtes. Non, tu déconnes, c'est pas possible. T'as tout de même 15 ans, c'est bien ça. Papa. Profite de la chair fraîche. Papa. Les jeunettes, y a rien de meilleur au monde. Papa, t'arrêtes. Ça suffit. Je suis gentil de même temps, papa. Faut y aller maintenant. Tant que t'es mineur et qu'ils sont mineurs, c'est pas fou. Une fois que t'as 18 ans, c'est terminé. Tu y touches et tu prends 3 ou 5 ans facile. Tu vas te taire. J'arrête la voiture maintenant. Pourquoi arrêter la voiture? Je me taisais pas. Je t'emmerde, je dis ce que je veux. J'ai encore des balles nazies dans les fesses. Oh, ça va avec tes balles nazies. T'es aussi pourri que les joueurs du manoir. Qu'est-ce que je peux...
plus intéressant, c'est le chemin qu'empruntent les êtres. Je l'avais dit. Est-ce que vous m'aimez?
elle m'avait dit non. Elle m'avait dit non, alors j'ai acheté le disque de ça, parce que cette musique, ça m'avait fait de l'hystérie collective tout seul, n'est-ce pas? Un jour, j'étais chez moi, j'avais mis le disque sur le pick-up, comme ça. Ça me tournait la tête, ça me chagrinait, quoi. Je l'ai pris là-bas. Et puis, je l'ai caressé par en dessous, quoi. Pour changer un peu, pas faire toujours les mêmes choses. Je lui avais dit, est-ce que vous m'aimez? Elle m'avait dit, ouais. Ah, moi je l'aimais pas, alors, ah, puis j'ai cassé le disque, j'ai là. Ça, mais pourquoi ça plutôt qu'autre chose? Elle était à côté de moi. Non, elle était de l'autre côté. Parce que j'étais chez elle. C'était une troisième. Je l'ai regardée. Et puis je l'ai caressée dans les deux sens. Parce que je voulais en finir là maintenant. Ça commençait à m'agacer. Je l'avais dit. Est-ce que vous m'aimez? Elle m'avait dit. Oui, monsieur. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez bien m'accorder votre main? Elle me dit, ça fait 10 minutes qu'elle est dans la vôtre, monsieur. Ah oui, bien, c'est vrai. Ah oui. Alors je l'ai gardé, n'est-ce pas? Thank you.
by your outfit that you are cowboy. On n'y voit rien du tout ici. On pourrait mettre un lampadaire de temps en temps. Hein. Hôtel Genius. Quel nom pour un hôtel. Bonjour, je voudrais une chambre entre Léonard de Vinci et Einstein. Oui, merci. Oh tiens, qui voilà, Dante Alighieri, comment ça va? Je suis en train de prendre un café avec Shakespeare. Isaac Newton, comment va? Beethoven, oh, comment va? Beethoven, je voudrais te présenter mon ami Charlie Parker. Charlie Parker, Beethoven, Beethoven, Charlie Parker. Dis-lui quelque chose, Charlie. Tip tap tu tu tap tu tu pou pa tu tu pa pou 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 tap tu 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 tap. Bon, Charlie Parker à l'hôtel Genius. S'il n'y a plus de place à l'hôtel des génies, j'irai à l'hôtel des imbéciles. Rome désertée. Les Romains ont quitté Rome. Où sont-ils allés? Oh, ils sont partis à Bergame. Qu'est-ce qu'il faut à Bergame? Oh, un évêque tout seul dans Rome à 4h du matin. Excusez-moi, mon père, la statue m'a troublé. Excusez-moi, hein, je pouvais pas vous voir. De l'autre côté de la ville, mon fils, à Tiburtino, s'il vous plaît. À Tiburtino? Pas au Vatican? Vous n'êtes pas un évêque? Pas au Vatican, et je ne suis pas évêque. Ok, d'accord. Mon père, je voulais vous dire que je suis très honoré d'avoir un évêque dans mon taxi. Je ne suis pas évêque, mon fils. Oui, vous n'êtes pas un évêque, mais... Est-ce que je peux vous demander une faveur? Tout ce que vous voulez, mon père. Pouvez-vous enlever vos lunettes de soleil? Ce n'est pas très prudent de conduire avec des lunettes de soleil la nuit, mon fils. Oh, je les ai mises ce matin, j'ai oublié que je les portais. Oh, oh j'y vois mieux maintenant. Merci, mon père, merci. Je me sens comme un aveugle qui a retrouvé la vue miraculeusement. Tout va bien, mon père? Tout va bien, mon fils. Excusez-moi, c'est écrit, je n'ai pas fumé. Ah, le panneau là? J'oublie tout le tas de l'enlever. Ils en mettent dans tous les taxis, c'est ridicule. Mon père, vous allez peut-être trouver ça bizarre. Nous sommes seuls dans un taxi la nuit, c'est un peu embarrassant. Mais je voudrais vous confesser. Mais ce n'est pas le lieu approprié, mon fils. Et je sais, je viens de le dire. On est dans un taxi, pas dans une église, mais je dois me confesser. Mais la confession doit rester anonyme. L'Église doit préserver cet anonymat, sinon... Mais je vous promets que je ne le dirai à personne. Eh, je ne suis pas romain, je suis toscan. Eh, ça fait 15 ans que j'ai ce taxi à Rome. Il y a 15 ans, je jure que je n'ai jamais transporté deux fois la même personne. Et même si je vous prenais dans 10 ans, je ne vous reconnaîtrais pas, dit un évêque. Eh, je ne vous regarderai même pas dans les yeux. Ah, après tout, je dois conduire. Hein. Ah, je dois me confesser, s'il vous plaît. Je ne vous ferai pas payer la course, ok? Ah, si vous n'écoutez pas ma confession, j'ai peur d'aller brûler en enfer. Mais c'est inacceptable! Mais je t'invente plus à confesser, mon père! Mon père, quand j'avais 12 ou 13 ans, quand les petits garçons deviennent des grands hommes, on fait bon, chacun son évolution. Et quand vous commencez à sentir du désir pour. Comment je peux dire ça? Pour l'amour, pour le sexe, tu ressens le besoin de décharger, vous comprenez? De soulager ce désir. On vivait à la campagne, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et même si tu as encore un enfant à l'intérieur, tu ressens ce sentiment d'homme. Il n'y avait aucun moyen de soulager ce sentiment. Alors on a eu l'idée, pas moi, hein, un ami à moi très intelligent. On a eu l'idée, comment je peux dire ça, on s'est soulagé avec des citrouilles. Chaudes, douces, tendres, avec des graines à l'intérieur, ferronnes. Et nous voulions... Aidez-moi à trouver les mots, mon père. On s'est soulagé avec des citrouilles. Bon, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Hein. Après un certain âge, je ne sais pas si les amis ont arrêté, mais bon, ça c'est leur histoire. J'ai arrêté parce que j'ai senti mon père, et je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi. J'ai arrêté parce que je sentais qu'il fallait mieux que je devienne un homme
sensible et religieux. Cet amour, c'est quelque chose dont tous les hommes ont besoin, pas des légumes, mais quelque chose de vivant, quelque chose qui bouge, qui est chaud, qui vous regarde dans les yeux, quelque chose qui a une âme. Bon, bref, il y avait une chèvre. Une jolie petite chèvre. Elle était mignonne, charmante, jolie, très mignonne. Je l'appelais Lola. Pas une vieille chèvre, moche comme les autres, non. Mais une petite chèvre, si raffinée, si délicate, avec une jolie petite voix. Et moi, j'étais enchanté, pas comme les autres chèvres. Ah, ses mouvements étaient si raffinés. Elle voulait venir juste en dessous de moi. Et moi, en quelque sorte, j'étais au-dessus d'elle. Ah, elle était tellement jolie, mon père, et tellement érotique. Elle m'embarrassait parce qu'elle voulait venir toujours quand j'étais avec mes amis. Et les gens commençaient à remarquer ça. En fait, mon père a remarqué aussi. Un horrible souvenir. Vous savez ce que mon père a fait? Il a vendu un boucher. Il a vendu Malola à un boucher. Un boucher qui s'appelait Guido Rusticoni. Un gros, poilu, traîné, grossier, dégoûtant. Il était horrible. Malola à un boucher pour 15 000 lire. Alors je me suis senti tellement mal après ça que je n'ai plus jamais remangé de viande depuis. Encore aujourd'hui, quand on me propose de l'agneau, j'ai dit moi, de l'agneau? Ah non, merci. Je ne mange plus de légumes non plus, à cause des citrouilles. Bah, en fait, je ne mange plus grand chose de toute façon. Das, ça a été vraiment traumatisant pour moi. Ce que je veux dire, c'est que je comprends que tout ça, c'est des gros péchés. Ma vérité, mon père, ce sont des péchés d'amour. Donc, je disais, mon frère, Vincenzo, il vit aussi ici à Rome, il est bombier de par le tuyau. Un soir, il m'a invité à manger chez lui. Chez lui, ma belle-sœur, Monica. Donc, je suis allé chez eux. Ils avaient une chienne aussi, très mignonne. Après le dîner, il a reçu un appel d'urgence comme quoi les tuyaux étaient exposés dans une copropriété chez des gens, il y avait de l'eau partout. Et comme un éclair, il a pris cet outil, il est parti. Et j'étais seul avec Monica. En fait, Monica, elle est très belle, hein, vous devriez la voir. Absolument magnifique, elle m'aime vraiment. Elle me regarde toujours avec ce regard particulier de belle-sœur. Alors, mariage, je leur dis, félicitations. Elle m'a regardé bizarrement. Elle a épousé mon frère, mais on est le même style d'homme. Je suis même plus beau que lui. Donc, on était seul avec Monica. Elle commençait à se pencher en avant sur son évier pour le nettoyer. Et pendant qu'elle était comme ça, moi j'étais juste assis derrière. Oh, et de là, mon frère, ma mamie, j'ai vu deux grosses jupes, un cul qui venait d'un autre monde, avec une minuscule petite culotte blanche qui remontait à peine, de sorte que mon mari que ça. Ah, mon père, j'ai pas pu me contrôler. Elle s'est retournée, elle m'a regardé avec des grands yeux. En moins d'une seconde, j'étais sur elle. Oh, mon père, ce cul magnifique, rose, doux, rose comme une citrouille. La douceur, ça m'a rappelé la chèvre. La chèvre, la citrouille, la femme de mon père, m'a jeté au feu. Un peu le taille sur le sol, un peu sur la table. Oh, quel plaisir à porter de ça. On a tellement aimé, mon père. Imaginez-vous, le paradis sur terre. Et je me disais, mais tu peux pas, ça, la femme de ton père. Et je pouvais pas, mais je me disais, c'est la femme de ton père, la tête, quoi. Mais je pouvais pas, et t'as tout, mais t'as pas tout, mais t'as pas tout. Pendant des heures, pendant des heures, j'ai crié. Après, je suis plus retourné, hein. C'était la femme de mon frère quand même. Hein. Ouais. Même si je n'ai rien remarqué. Encore aujourd'hui, quand elle me voit, elle me sourit. Et je me dis, tu te souviens quand on a baisé sur le sol comme des animaux? Ah, c'était vraiment le paradis. Hein. Bon. Mon père, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'amour avec votre belle-sœur. Mais vous devriez essayer, parce que c'est absolument divin. Après, vous avez juste à vous confesser, c'est fou, hein? Je sais que tout ça, c'est des péchés qui peuvent être confessés. Ah, ils étaient juste incroyables. Incroyables. Ah, Monica. Eh, mon père. Mon père, je ne vous ai pas ennuyé au moins. Ah, je pense qu'il a dû s'endormir. Mon père. Oh, mon père, ne décollez pas. Mon père. Oh! Vous vous sentez pas bien? Mon père! Vous n'êtes pas mort! Il est mort! Moi j'attends plus rien! Mon père, c'est moi! Je suis dans le taxi, là! Oh putain, c'est la panique à moi! Tu es le pilote, pilote, pilote. Pourquoi tu me prends pour ça? Mais attends, attends.
C'est mon père à tout savoir, au de moi, de mon Lucas. Mon père, je suis désolé, mais... Je vais pas lui brûler la chaîne de mon Lucas, là. Oh, je vais aller plus là, mon père. Oh, je vais le mettre. Il a des yeux vides,
et une voix, une grosse voix caverneuse. Et il est toujours accompagné d'un gros chien enragé. Oui, monsieur. I went to the crossroad, I tried to fly the bride. In nobody's hands to know me, everybody has me by. Et c'est lui qui t'a dit d'aller à Tishaminko? Non, monsieur. Ça, c'était mon idée. Il y aurait un homme là-bas, dans le coin. Il paraît qu'il paie les gens pour chanter. Il te fait chanter dans une boîte de conserve. Si tu chantes bien, il te paie encore plus. You can run around, tell me many years where I may be.
Sinon, d'une croix, on n'est que quatre. À savoir écrire. Pas de problème! Yeah.
Et surtout, je vais te dire, c'est pas la sainte. Ah ouais, ouais. C'est du dur, hein, tu me l'as donné. C'est du dur. Hein. Ah bon, je crois pas. Eh ben, un grand bouquin qui fait Paris Strasbourg en action 12 automnes. Ouais. Un routier. Ah ouais, ouais, ça y est, ouais. J'y avais préparé son démarreur. Et pour me remercier, il m'a filé tout payé, il dit. Oh, mais c'est pas foutu de toi, ouais. Eh, 12 volumes qu'il m'a donné, hein. Qu'est-ce que je me régale. Eh, dis, José. Tu sais jouer, tu sais ce que tu ferais. Mais non. Ah, tu m'en lirais un peu tout. Bah, si tu veux. Ah ouais. Je suis Jeanne de la Flore. Je suis faite pour respirer la flore des champs. Faite pour entendre le vent dans la branche du Seigneur. Faites pour tremper la soupe de mes frères et broder la chasuble de mon père putatif. Qu'est-ce que t'interprètes bien, Peggy José? Je suis l'arbre dressé dans le vent de la chrétienté. Je suis la montagne mystique où pousse l'olivier de l'éternel. Je suis la pierre blanche où repose la tête du voyageur. Je suis le souffle de la vérité. Je suis l'agneau bêlant contre le blanc de l'église. Ferme mon cœur et pleure mes yeux et s'ouvre ma bouche pour crier la paix du monde. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, Lulu? C'est tellement triste, ton Peggy, tu sais. Ben, j'ai pris le passage le plus marrant, hein. Oh, il vaut mieux que t'arrêtes, parce que moi, je vois plus clair. Eh ben, mets les essuie-glaces, hein. Non, je vais me remettre, mais faut que je me ressaisisse, c'est tout. Vaut mieux que t'arrêtes, puis voilà. Non. Bon, ben, mince, alors. Eh, Lulu. Tu m'aimes? Corky, voiture 36. Le boss m'attendait de vous appeler.
Allô? Victoria, c'est Monsieur Piccola? Ouais, je suis à l'aéroport. Je sais pas, le terminal des classes à faire ou un truc comme ça. Je suis jamais venue, je sais pas comment ça s'appelle. Allô, Marie? C'est Victoria. Oui, je suis à l'aéroport. Est-ce que tu vois que je suis dans la salle des bagages? Je voulais savoir si tu as une bonne nouvelle concernant la crise que je t'ai envoyée. Non, mec, écoute, tout va bien. Mais cette caisse, elle est comme une merde. J'ai dû la bidouiller moi-même cet après-midi, mec. T'as intérêt de dire à Gonzalez de se bouger le cul, sinon je vais devoir faire cette putain de mécanique moi-même. C'est ça que tu veux? Non! Je t'ai envoyé plusieurs actrices qui viennent de plusieurs pays. New York, Minneapolis, San Francisco, Chicago. Tout ça connu. Oh, elles sont incroyables. Oh, mais tellement incroyables. Oui. Bah, moi, elles me laissent tout, mais c'est à toi que je t'aide. Et pourquoi je ne passerai pas tes amis? Oui, tu ramènes les chaussettes. Bon, écoutez, alors, je passe en homme cadeau chez moi et je te tiens chez toi. D'accord. Ok, je prends un client grand. Pas de stress, tu vas adorer les petits gars. Aucun souci, boss. Relax, on se voit vite. Ré, je suis plus cabine. Merde! Vous êtes dans un taxi, madame? Oui, je suppose. Je suis juste là. Vous êtes chauffeur de taxi? Ah! Ok, bah pourquoi pas. Et attention, je suis un peu précautionneuse avec mes valises. Aucun souci, madame. Je vais garder le point. Ouais, non.
Ça vous plaît vraiment de conduire un taxi? Putain, ouais. Enfin, je veux dire, ouais, j'en t'affirme pas. Non, mais je veux dire, c'était votre but dans la vie, être chauffeur de taxi. Quelque chose qui vous dérange là-dedans. Non, je suis désolée, je comprends pas ce que je voulais dire. Bon, je vais vous dire, je veux pas être chauffeur de taxi pour toujours. Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment faire? Mécano. Mécano? J'ai déjà pratiquement tout ce qu'il y a à savoir. Mes deux grands frères sont mécanos. Ils sont plus vieux que moi, mais tu vois, genre une fille et que je suis encore un peu jeune. Je dois faire mes preuves, t'as vu. Mais que pensez-vous du mariage? Avoir des enfants? Ah, carrément. Je veux carrément des enfants, mais que des garçons. Ma fille? C'est bien aussi. Ouais, pourquoi pas qu'elle mieux fille. Bref, tu vois, tous ces trucs, c'est pas le plus important pour l'instant. Le vrai problème, c'est de trouver un mec bien qui ferait un bon père. Comment pas les hommes? Bah, tu vois, je suis assez difficile, mais je suis aussi assez patiente. Enfin, au moins j'espère que je le suis. Parce que, je sais pas, peut-être que c'est pas si facile. Peut-être qu'il faut attendre un peu. Peut-être pas si facile de trouver le mec bien, tu vois, genre le bon. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Un autre mécanicien peut-être? Bah, je m'en fous. Qui m'aime avec son âme, tu sais, qui m'accepte tel que je suis. Il va très bien. Comme une hippopée, je suis comme je suis, hein? Ça, c'est sûr, vous l'êtes. Allô? Oh, salut, Martin. Où est-ce que je vais parler? Évidemment, je sais ce qu'il recherche, il l'a dit des centaines de fois. Je t'en prie, Marty, redis-moi encore. Ton abricot, la foi verte! Marty, je crois que j'ai exactement ce qu'il faut ici dans ce taxi. Riche, un dans ce taxi. Je peux pas te dire maintenant. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai une idée. Oui, Marty, oui. C'est pour ça que je ne te dis jamais rien. Mais je suis désolée d'avoir un calme. Je peux t'assurer, je suis hystérique. Bon, dès qu'il y a du nouveau, je te tiens au courant. Ok, on arrive à faire les drives, je vous dépose où? Tournez à droite si vous pouvez voir les routes et continuez sur droit, tout droit, juste avec moi, s'il vous plaît. Ah, ok. Un peu plus loin sur la gauche, le
Content d'être là pour plusieurs raisons. Déjà parce que pour des artistes,
de pouvoir présenter devant un public le résultat de son travail, c'est toujours un grand bonheur. Et quand ce public, en plus, c'est un public aussi merveilleux que vous aujourd'hui, c'est un double bonheur. Et en plus, ouais, les artistes, c'est des gens qui nous permettent de réfléchir sur notre vie, de voir ce qui s'est passé et ce qui va arriver. Et alors quand on s'adresse à des gens, des jeunes gens comme vous, qui vont avoir la responsabilité de construire le monde de demain, c'est encore plus important. Surtout que bon, les vieux dans mon genre, on vous a laissé un peu une situation compliquée à gérer. Mais en revanche, aujourd'hui on vous a montré, enfin on vous a indiqué, on vous a suggéré une solution, hein, parce qu'en fait sur scène, vous avez des musiciens du conservatoire, élèves et enseignants. Vous avez les comédiens du conservatoire, élèves et enseignants. Vous avez les techniciens de l'IDEM, élèves et enseignants. Vous avez toute une équipe technique professionnelle de ce lieu qui nous accueille. Et tous ces gens, ils ont réussi à travailler ensemble, à monter un spectacle. Donc on vous a montré que pour arriver à faire avancer les choses, il vaut mieux se serrer les coudes plutôt que de travailler tout seul. Il y a trop de monde, mais ils font tous partie d'un groupe d'individus sur cette planète qui ont un rôle, qui ont un métier, qui ont une fonction. Tous les gens que je vois là, que je connaissais depuis longtemps. Et en fait, tous ces gens, pendant cette résidence-là, ils sont rentrés, et vos enseignants aussi, je les vois aussi, ils sont rentrés avec nous dans un groupe d'individus qui font un peu plus que ce qu'ils doivent faire. Ils font un peu plus. Et ils méritent peut-être, parce qu'ils font un peu plus, encore vos applaudissements. Merci.